Bon, ben nous voici devant une panne de la GameCube. Comme vous le voyez, mon disque n'est pas reconnu. Donc ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est une petite astuce pour tous les gens qui, comme moi, ont ce problème de lecture de disque. Il y a une petite manip à faire qui est très très simple, qui toutefois nécessite quelques précautions. Je vais vous le montrer d'ici un instant. Bon, on se retrouve face à la GameCube et comme vous le voyez, donc on a besoin d'un minimum de matériel, c'est évident. On a besoin d'un tournevis avec différents embouts. On a besoin d'un tournevis spécial qu'on appelle Game Bit qui permet de dévisser les premières vis de derrière. Voilà, ça, on va en avoir besoin dans la foulée. Et enfin, on a besoin également d'un multimètre. Mais ça, c'est pas indispensable, on peut faire sans. Je vous dirai pourquoi après. Donc, on commence de suite donc avec l'ouverture du capot avant et pour ça on a besoin de dévisser les quatre vis de derrière avec ce fameux tournevis Gambit. Bon, une fois que c'est fait, on peut ouvrir le capot de la GameCube. Voilà, on le met de côté. On n'en aura pas besoin pour le moment. Donc ici, on va enlever en premier donc le support de manette. Ici, il faut déclipper sur les côtés. On a une petite nappe de câble à tirer. Donc là, on y va avec les doigts. Voilà, tout doucement. On ne se précipite pas. Voilà, on se le met de côté. On a le bloc de ventilation ici. Donc le bloc de ventilation, il se dévisse sur les côtés. Donc là, il faut trouver le bon embout. Voilà, et pour terminer, on a tout le bloc optique à virer. Donc là, on a pas mal de vis à retirer. Donc on est parti. Voilà, il reste encore ces vis-là à démonter pour accéder à l'arrière de cette pièce-là qui nous intéresse. Alors une fois que c'est fait, on accède comme ça à un circuit imprimé. Et qu'est-ce qu'on voit là-dessus? On voit une petite vis juste là, c'est celle qui va nous intéresser aujourd'hui. Ça, c'est un potentiomètre d'ajustement qu'on appelle LaserPot. Et donc ce qui peut arriver passé un certain temps, c'est que votre lentille commence à fatiguer et donc nous on va lui redonner un petit coup de boost en augmentant l'intensité, en diminuant un tout petit peu la résistance avec ce potentiomètre. Et donc qu'est-ce qu'on va faire? On va venir dévisser comme ça en mettant son tournevis dessus très légèrement. On va venir faire un petit tour sur la gauche tout doucement. Voilà, on y va vraiment délicatement et ensuite on va venir, si c'est possible, bien sûr, si vous en êtes équipé, on va venir avec le multimètre qui est ici. On va venir mesurer la résistance au pôle donc de ce fameux potentiomètre. Donc je remercie évidemment un abonné qui s'appelle Chris75 qui m'a laissé un message pour me donner donc la valeur nominale de réglage de ce potentiomètre. Donc qui doit être de 250 ohms. Donc on va vérifier, maintenant que j'ai refait le réglage, on va vérifier à combien je suis. Attention à ne pas trop diminuer cette valeur. Pourquoi? Parce que si vous tournez trop sur la gauche, vous allez complètement diminuer la résistance. Si on diminue la résistance, on se rappelle d'une formule très simple, U égale RI. Si je diminue la résistance, forcément, de l'autre côté, je vais augmenter l'intensité. Si j'augmente l'intensité, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je risque de cramer la lentille ou, même pire, cramer certaines galettes, les jeux qui sont en lecture dans la GameCube. Donc, on y va vraiment minutieusement, pas à pas. On peut faire un premier essai là, comme ça, avec un CD, hein. Bon, moi j'ai un multimètre, mais si vous n'avez pas de multimètre, vous faites un premier essai, si ça fonctionne, c'est bon. Si vous avez un multimètre, c'est quand même mieux de pouvoir faire cette petite mesure. Donc nous, on va la faire, hein. Je suis équipé, donc on va regarder. Allez, on est à 230 ohms,
On va estimer que c'est bon, donc on va tenter de remonter la console telle qu'elle, sans remettre les vis en place, hein, vraiment pour essayer voir si la manip a réussi. Donc vous, si ça vous arrive, donc ce qu'il faut retenir est que vous n'avez pas de multimètre, évidemment, vous tournez un tout petit peu ce potentiomètre, et encore une fois, vraiment très 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 légèrement, en le tournant sur la gauche, toujours. Vous essayez une première fois, si la manip n'a pas fonctionné, vous refaites un nouveau réglage et ce pas à pas, pas à pas, pas à pas, vous pouvez y revenir deux et trois fois et ça finira peut-être par fonctionner ou pas. Si vraiment ça ne fonctionne pas, ça peut venir d'un autre défaut, mais là il y a de fortes chances pour que le problème vienne de ça. Voilà, donc moi on va faire l'essai à l'issue du remontage. Bah du coup c'était pas bon. Les jeux ne sont toujours pas lus, donc c'est pas grave, on va refaire un petit réglage et on va retester à nouveau cette résistance. Donc là on a une valeur de 167 ohms. Voilà, c'est quand même c'est quand même beaucoup par rapport à tout à l'heure, mais j'ai envie d'essayer comme ça. On va remonter puis on refait un essai. Bon, ben voilà, une affaire rondement menée, j'ai envie de dire. Donc une maintenance toute simple, comme on les aime. Pas de matériel à acheter, évidemment, ça nécessite quelques précautions, notamment vis-à-vis de ce réglage, je vous ai dit, qui est assez sensible. Donc allez-y tout doucement, si vous ne possédez pas de multimètre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas grave, hein, vous faites le petit réglage, comme je vous ai dit, en tournant très légèrement sur la gauche. Si vous y allez de manière très précautionneuse et avec le plus grand soin, normalement, ça ne devrait pas poser de problème et vous devriez pouvoir relancer à nouveau vos jeux comme c'est mon cas. Voilà, c'était Link. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. A plus, ciao !